Regardez son odeur du cube. Moi, elle est en été qu'au mieux, ils sont à odeur du cube, odeur du cube. Mais il doit dire. Ah, moi j'ai commencé. Don't shake it. Et voici donc le FC Barcelone contre le Real Madrid. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le match d'aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce que match de l'année veut dire, venez faire un tour à Barcelone ou à Madrid un jour de match. La rivalité a toujours été très forte entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les rencontres entre ces deux grands d'Espagne ont toujours été les plus attendues de l'année. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Ah d'accord. Ok.
Allô? Bon, j'espère que tu es prêt. Ça va la vidéo à moi ici. On est parti pour 90 minutes. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'est quoi? C'est plus cher. Hey. Fabio Quintrao. Quel timing dans l'interception. À toute vitesse vers la surface. Oh, quelle occasion pour Benzema. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Alors ça, c'est un geste de grande classe. Et le gardien ne savait plus où il était. Il a été complètement mystifié par ses feintes. Et mais en même temps, si il y a longtemps pas joué, il y a longtemps pas joué, il a dit. Mais ils vont pas gagner le match, il faut pas être fatigué. Eh bien, on n'aura pas attendu longtemps pour assister à l'ouverture du score. Messi se projette vers l'avant. Bale. Benzema. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Cristiano Ronaldo. Ça peut partir en contre. Pour trouver la faille dans la défense. Il file dans l'axe. Xavi. Sergio Busquets. Oh, la passe en profondeur. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Jeu, dommage. Ah, mais... Ouh là là, c'est juste, enfin, juste, il est quasiment sur la même ligne. Non, le derby, c'est un choix. Messi, il joue dans l'espace. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Bien, elle a buté là-haut. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Pas où là? Neymar jusqu'au bout. Ouh. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Ah ça, ça tricote. C'est le genre de joueur qui peut faire la différence à lui tout seul. Oui, il y avait bien faute. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Sorcier là. Mais moi, tu dis que t'es un sorcier là. Quoi, c'est vrai qu'il y a, c'est cadeau en fait. Iniesta. Il écarte le jeu. Ça, c'est une interception parfaite. Oui, c'est sorti. Ce sera un dégagement au 6 mètres. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Toni Kroos. On peut pas compter sur lui, Abid. C'est bien fait, ça. Dans le tour de la défense. Ils s'en sortent. Toni Kroos. Khedira. Bale. Sergio Busquets. Il glisse le ballon en profondeur. Il est à distance de tir. Oh, la grosse occasion. Danger en poussée pour le moment. Il a zoomé tout ça. Et pourtant, c'était un caviar au départ. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille là. Centre détourné. C'est chaud. Messi, il va s'occuper de ce corner. Merci. La défense se donne de l'air. Il s'est attaqué, ça on savait, mais il sait aussi défendre. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Oh,
Il est sorti du jeu. Sergio Busquets. Messi. Un long ballon dans l'espace. Oh, il l'a récupéré. Oh, but. Yeah, quel jeu, hein. Quel jeu, hein. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Alors. Il a filé au nez et à la barbe des défenseurs, très finement joué. Oula, ça c'est lui qui fait ça faire exploser. Attends, ils vont pas gagner le match. Ils vont pas gagner. Et c'est reparti. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. Eh bien, on savait que ce match serait serré. Et ça se confirme. L'arbitre siffle une faute. Xavi. Il joue dans la profondeur. Va-t-il en profiter? Et le drapeau s'est levé dans le jeu. Le gardien est là, pas de problème. C'est ça, nous-mêmes, la même. Il va s'y protéger, le jeu. Depuis, il n'y a pas de souci. Messi, il tente de la jouer dans l'espace. Et Abid. Le ballon est repoussé. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Et le 6 mètres directement sur lui. Bale. Il glisse le ballon en profondeur. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Daniel Alves. Xavi. Sergio Busquets. C'est joué loin devant. Pour trouver la faille dans la défense. La passe est précise. La tentative. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire. T'as vu la place. L'équipe a vraiment tout donné pour revenir au score avant la pause. Et là, il mérite d'égaliser. C'est bien joué. D'accord. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score, un partout. La seconde période est partie. Fabio Quintrao. Et maintenant Raphaël Varane. Toni Kroos. Benzema. Cristiano Ronaldo. Oh, bon tacle. Luis Suarez. Attention à cette passe lobée. Énorme occasion. Une occasion. Il a essayé d'y aller seul mais sans réussite. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Dans le dos de la défense. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Fabio Quintrao. Et maintenant Raphaël Varane. Khedira. Isco. Cristiano Ronaldo. Il joue dans l'espace. Isco.
Benzema, la frappe. Oui. Le Real Madrid qui n'arrive pas à concrétiser sur cette énorme occasion. Iniesta. Neymar. Un long ballon dans l'espace. Toni Kroos. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Le long dégagement du gardien. Et maintenant Raphaël Varane. L'accélération. Oh, c'est loin du cadre. Ils ont bien exploité l'espace dans l'axe, ça leur a ouvert le chemin du but. Kedira. Benzema. Il joue dans la profondeur. Piqué. Il y va tout seul. Ballon en retrait. Le ballon sort du terrain. Le gardien loin devant. Bonne interception, il y avait danger. Luis Suarez dans la profondeur. Oh, l'interception. Bale. Benzema. Oh, il continue son festival. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Il tente le lob. Oh, le but. Le geste parfait. C'est un but phénoménal. Et il passe devant. Quel talent, c'est la classe, j'adore. De toute façon, je suis bien raté là. Et voilà, avec un petit but d'avance. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Barcelone qui semble à court de temps et d'options là. Je ne vois pas trop comment il pourrait faire là. On va faire pour Mathieu. Le voilà servi. Iniesta. Kedira. La belle interception. Iniesta. Il joue dans la profondeur. Toni Kroos. Fabio Quintrao. Et maintenant Raphaël Varane. Bale. Sergio Busquets. Xavi. C'est l'une de leurs dernières possibilités. Allez, c'est maintenant. Il prend sa chance. Soyez à l'aise. Et il recommande les dernières minutes de cette rencontre. Là, tu vois, c'est quoi le truc à l'objet? Ça a pas du tout. La situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. C'est suicidaire. Yedi. Et si, il y a son... Yedi. Il n'y a pas son...
tu n'as pas vu la talonnade de Neymar, tu dis Casillas. Tu as la talonnade de Neymar. Il n'est pas marqué talonnade, mais il ne fait pas cette talonnade tout le temps. Tu vois, généralement quand on fait passe, c'est gentil. Là, il ne fait pas, il fait deux talonnades d'avant avant de tirer. Sa main, il a eu la chance, il a touché. On est dans les toutes dernières minutes du match et les deux équipes sont maintenant à égalité. Benzema! Et c'est bien par-dessus. Voilà, donc, on tue le match à l'aide. Piqué. Sergio Busquets. Les sorciers qui sont. Il peut y aller. Il file vers le but. Rapide. Il reste 5 petites minutes maintenant. Xavi. Messi. Messi. Mais oh, mais comment on a. Comment l'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. On va donc vivre une prolongation. Aucune des équipes n'a su faire la différence. C'était très disputé. On a quand même passé un bon moment. Et l'entraîneur qui regarde ses joueurs, l'état de fatigue des uns et des autres pour mettre au point la liste des tireurs dans cette fameuse et terrible séance des tirs au but. Pedro, non, pas notre Pedro. On est reparti pour un tour, pas de but au cours des 90 premières minutes. Cette fois, il nous faut un vainqueur. Et on pensait que ce match était bouclé, terminé. En fait, pas du tout. Tout est relancé grâce à ce but dans le temps réglementaire. Neymar ! Oh, c'est bien fait ça ! Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. Jordi Alba. Iniesta. Jordi Alba. Il écarte, il joue sur l'aile. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Il est signalé en position de hors-jeu. Dis-toi, laisse aussi arrêter de mettre la pression. Hein. Tu sais, la vérité, les gangs, t'as fini, mais c'est là, tu arrêtes d'essayer les tirs. Voilà, voilà, maintenant. Sergio Busquets qui concède un coup franc. Attention, s'il reçoit un autre carton. Oui, le match est terminé pour lui. Ça joue long. Retour à l'envoyeur. Il tente de la jouer dans l'espace. Le ballon sort en touche. Mmh.
Il est servi. On est à la moitié de cette prolongation. Rien n'est fait dans ce match. Tout reste encore possible dans ces 15 dernières minutes. Il y a de plus en plus d'espace. C'est pas long. Il y a la possession. Tu dis long. 51% de possession. Tu dis long. C'est reparti. Désormais, il reste 15 minutes. 15 minutes pour faire la différence. Franchement, on va pas se plaindre. On a vu des buts des deux côtés et on ne connaît pas encore le vainqueur. C'est sûr que ce match est vraiment très très intéressant. Il peut tout se passer encore. Oh non. Et maintenant Raphaël Varane. Arbeloa. Ouais. Fabio Coentrao. Il glisse le ballon en profondeur. Allez, ça doit faire but. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Xavi, il joue dans la profondeur. Il a pris tout le monde de vitesse. Dans l'espace. Messi, Messi, le petit. Le petit. Rakitic. Longue ouverture. Il a Ramendi. Allez, il faut aller chercher les résultats, c'est bientôt fini. Faut vraiment se réveiller. La faute. Il allonge. Fabio Coentrao. Il a Ramendi. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça doit faire but. Oh, but pour le Real Madrid. Il y a deux. Ils étaient obligés d'attendre que ça tique d'en haut. Et ils reprennent l'avantage dans cette prolongation. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Ça, il a perdu, mais ils sont contents. Allez, ça peut pas. Il a perdu. Oh. Et si ce but scellait le score, est-ce qu'on en restera là? Il est passé, c'est pas fini. C'est maintenant qu'il faut. Il peut en profiter. Ça peut être dangereux. Oh, c'est maintenant qu'il faut. Ils ont pris le risque, ils sont récompensés, que c'est beau. Alors, c'est tout, ils ont joué comme le bateau. Il a bien analysé la situation avant de très vite faire la différence. La défense n'a jamais pu le rattraper. Jamais il peut le rattraper. Je suis un prêt. J'ai un. Tu demandes, c'est pour évolution de ce que tu veux. Et voilà, ils reviennent à la hauteur de leurs adversaires dans les dernières minutes. Et maintenant, Raphaël Varane. Et c'est terminé, on va se préparer pour les tirs au but. C'est toujours triste, bien sûr, de perdre lors d'une séance de tirs au but, mais il faut bien départager les deux équipes. C'est la loi du football, mon vieux. L'arbitre siffle la fin de la prolongation. Égalité parfaite. On va donc avoir droit à la séance de tirs au but. Et c'est toujours un moment très particulier. C'est un pour moi. C'est un à moi. Supporter a tiré. Chef du village a tiré. Toujours maintenu. D'accord, faut te canaler, c'est ça. Et l'épreuve des tirs au but qui va commencer, les joueurs désignés essayent de se relaxer, de faire le vide. Neymar, tu as fait un beau match, hein. Mais ça n'a rien fait là. Hein.
Roule un peu. Gardien. Bonne frappe et la série qui commence bien. Et bravo, c'est le penalty parfait. Joli contre-pied. Il marque lui aussi. Un partout. C'est bien joué. Il faut surtout pas manquer le premier. Il a pris le gardien à contre-pied. Contre-pied parfait. Ça paraît simple comme ça, mais pour frapper un penalty de la sorte, il faut un parfait. Moral d'acier. Il prend. Il a raté ce penalty. Alors. Ah, c'est dommage, c'était presque parfait. Il avait battu les gardiens. Gareth Bale, ça ne rentre le petit pas. Doumé, qui rate le penalty et merde. Aussi alors, simple que le petit Doumé qui rate le penalty. N'a eu aucune on chance a sur dit, ce coup petit. Il a mangé beaucoup du gaba. Déjà deux buts de retard. Qu'est-ce qu'il il a doit condamné absolument à marquer là. Il est resté scotché sur ses appuis. Quel calme, quelle sérénité. Il est incroyable. Il ne laisse aucune chance au gardien. C'est important. Ouais, ils peuvent prendre deux buts d'avance là. Raté. Complètement raté ce tir. Je savais qu'il est raté. Qui m'a envoyé le diriger, mais. Mais voilà, non. Plein dans l'axe. Il a vraiment eu les nerfs solides. Ce n'était pas facile de la mettre. Le capitaine se prépare. C'est un vrai leader. Plein de sang-froid. Aussi simple que précis, le gardien n'a eu aucune chance sur aucune ce coup-là. Chance, le gardien. Le sort c'est du match même. Est au bout c'est de son pied. Rien. Quelle pression. Lucas Silva. Ah pardon. Soyons honnêtes. Je dis la tour de poisson, il ne faut pas. Et c'est au fond des filets. Quelle ambiance là. Regardez la facilité, c'est too easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu les gardiens. On a changé. Ça là, c'est la pression. C'est tout bien qui dit là. Il a raté. Quel calme, quelle sérénité. Il est incroyable, il ne laisse aucune chance aux gardiens. Oh petit. Et le ballon dans les filets, tout n'est pas terminé pour eux. Il a vraiment eu les nerfs solides, ce n'était pas facile de la mettre. Hein? À droite. Oh non, voilà, c'est raté. Dernier avec un raté. Hein. Ne pas la rater, c'est décisif. Ouais, mais au moins 4 fois, il prend la droite, le gardien, il va être amusé. Ouais, mais allez, ton côté, voilà, c'est bon, tout le monde est va dormir. Quand t'as eu. C'est pas possible. Ah, il a pas de chance, pas de bol pour le tira. Ce ballon vient juste s'écraser sur le montant. Oh, ça ou non, ça a été gagné, c'est ça continue quand même. Aussi simple que précis, le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Merci. Oh, il a raté. Une frappe qui décide allez. Du résultat de la rencontre. Quelle lutte serrée jusqu'au bout et ce suspense incroyable de la séance des tirs au but. Il fallait ça malheureusement pour les départager aujourd'hui. Allez, comme on dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Il n'y a plus de classement qui tienne. On fait table rase du reste et on se donne à fond. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors bravo pour cette victoire. Arrête de faire voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt, salut. Ça te peut nous dire. Mais ma sec. C'est tout ça, dis-moi. C'est tout ça, dis-moi. Ah, c'est ça. Va chier. Va chier. Quitte dans mon réseau. Tu sais pas, dans mon réseau ici, hein. Papa de chier. Ok, en tout cas, c'est que je suis demain. Demain, peut-être, tu vas faire Mortal Kombat. Donc, si tu vois les finish. Thank you.
Dragonetti. Ouais, le match, bah, ce truc était chaud, tu sais. Oh, dis José m'a envoyé un message. Il ne dit rien, il se pouvait savoir comment je vais. La suite d'auteur du crime, eux, ils ne savaient pas comment ils allaient faire et puis ils sont bien fait suite. La suite. Ah, c'est une enquête? Ou bien? Il doit toujours regarder en tête que c'est une enquête. Moi, je trouve que s'il veut faire la suite, on n'est pas, on sait pas comment on va bien faire les trucs. Donc, comment on va faire? On fait comme Skins, ça. On fait un épisode sur chaque truc. Sur chaque personne. Ou bien. Quand? Non, non. Pas qu'on va faire ça sur chaque personne. Chaque personne, c'est-à-dire, on revient dans le temps pour savoir ce que les gens faisaient. Jusqu'au crime, au fait. Tu vois, non? Genre, ça fait comme les films brésiliens. Hein. Comme Beau Pays, t'as vu? Au début, on monte en haut et puis on bloque. Voilà, là, on sait pas pourquoi ils l'ont tué. Il y a lui dit ça. Putain, il y a même ça là.
C'est jamais qu'un peu comme tes cheveux. Je suis le temps bien.
Le violeur de parking. C'est quand tu composes encore le... Yako.